Laura, ex-candidate de la 5e saison de l'émission Mariée au premier regard sur M6, a finalement annoncé être enceinte d'une petite fille, plusieurs semaines après avoir révélé qu'elle attendait un garçon sur Instagram. La famille de Mariée au premier regard ne cesse de s'agrandir. Laura, ex-candidate de la saison 5 de l'émission, a annoncé en septembre dernier être enceinte de son premier enfant sur ses réseaux sociaux. La jeune femme a divorcé après quelques mois de relation de Clément, avec lequel elle était apparemment compatible à 82%, selon la science. Cependant, la candidate a retrouvé l'amour dans les bras d'un prénommé Andra, un jeune homme originaire de la République tchèque, qui semble plein d'humour. Ils se sont rencontrés grâce à des amis en commun peu de temps avant la diffusion du programme en 2021. Le couple a ensuite officialisé leur relation en juillet 2021 et attend maintenant leur premier enfant. Une annonce pleine de surprises. Un mini-nous. Nous voulons partager aujourd'hui, avec vous, une jolie nouvelle, un petit être va bientôt pointer le bout de son nez pour notre plus grand bonheur, ont-ils partagé à leurs abonnés en septembre dernier sur Instagram. Le couple a reçu à cette annonce de nombreux messages de la part d'anciens candidats du programme comme Marlène de la 3e saison, encore félicitations les copains. Je valide X000 la photo, ça vous ressemble tellement ou encore Vivien, toujours en couple avec Charline, oh mais magique félicitations. Trop bien. Et quelques semaines plus tard, Laura a publié un nouveau post sur le réseau social révélant le sexe de leur bébé, un petit garçon. Sur la photo, le couple tient un fumigène bleu avec un énorme sourire. Mais la description de sa publication a récemment changé. It's a girl. Laura et Andra n'attendent pas un petit garçon, mais une petite fille. En effet, ils ont appris lors d'une nouvelle échographie que le sexe du bébé était bien féminin et qu'une erreur a été faite probablement à cause du cordon ombilical. It's a girl. C'est une mini Lolo finalement qui va agrandir notre famille, ont-ils mentionné sous leur photo. Il y a eu un changement à la dernière écho, sûrement le cordon qui nous a joué des tours. Nous n'avions pas de préférence donc nous sommes ravis surtout que tout aille bien. À lire aussi Émilie, mariée au premier regard, en couple avec un homme marié? Elle s'agace et répond fermement à la rumeur.